drink his own pee doesn't seem so crazy right now. Aïe, 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 aïe. C'est mon intro, c'est pas la tienne. Bonjour et bienvenue, nouvel épisode de la survie du week-end. Pendant le week-end. Samedi ou dimanche, c'est le week-end. Voilà. Quoi dire? Nous sommes donc... Nous sommes descendus du mont Timberwolf. Nous sommes repassés par la vallée charmante. Nous avons fait escale au village de la vallée charmante. Il n'y avait strictement rien. Ah si, il y avait des stimulants. On peut se piquer le cœur 150 fois, c'est bien. Et maintenant, nous sommes... J'ai un peu mal à la gorge, je suis désolé. Maintenant, nous sommes à l'autoroute côtière. Autoroute côtière qui est magnifique, qui est extrêmement simple, honnêtement. Et puis voilà. Donc, ce qui va se passer dans cet épisode, c'est comme l'épisode précédent. C'est-à-dire qu'on va passer notre temps à piller les maisons et les voitures. Et puis voilà, ça va être tranquille. Ça va être tranquille. Donc, on est à 35 kilos, il fait jour. On va déposer ça là-bas. J'ai un peu mal à la gorge, je crois que... Je crois que je vais bientôt passer l'arme à gauche, comme d'habitude. Donc, on va essayer de faire ça vite. Ok, on est bien. On a pas mal d'eau. Non, non, honnêtement, c'est faux. On n'a pas vraiment beaucoup d'eau, mais on en a un peu. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a pas mal de... Ok, très bien. On a pas mal de... J'aime pas parce qu'elles sont toutes tournées de la même façon. Ça met un peu de variété en fait. Voilà. C'est un peu plus logique. on a quelques boyaux qui sont en train de sécher, tout ça, des peaux de lapins surtout. Il nous faudrait des peaux de cerfs. Ah oui, tiens, il faudrait qu'on chasse les cerfs. Ouais, il faudrait qu'on chasse ça. Donc qu'est-ce que j'ai dit? Oui, on a des calories. On a de la viande. On va virer ça, 7. On a de la viande qui est à l'extérieur. On a bien bossé la dernière fois. On a bien bossé. Donc ça, je suis assez content. On est à 34 kilos. Ah oui, la viande, elle est de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on a sur nous? On n'a pas de viande. Par contre, on peut peut-être poser des choses. Genre ça. Très bien. Limite, j'ai envie de poser les chips. Parce que j'ai pas envie de les utiliser, parce qu'on n'est pas dans un endroit genre dangereux, dans le... du genre on va se bloquer, vous voyez ce que je veux dire? On va pas se bloquer. Le sac de couchage, je pense pas qu'on en ait besoin non plus. Donc on va tout simplement récupérer de la nourriture. Est-ce combien on a de litres d'eau? Bon. Je crois qu'il y a encore 2 litres. La dernière fois, on avait fait 2 litres à l'extérieur. En théorie, on n'a pas dû perdre l'eau. Très bien. Ouais, il faut qu'on chasse un cerf ou deux pour au moins qu'on ait la peau en fait qui sèche directement. Eau non potable, mince. Eau potable. On va aller prendre une bouteille. Ou deux. Quoique non. Non, les maisons vont nous donner de l'eau. Est-ce qu'on a fait la maison qui est là, tu vois, en parlant? Parce que je sais qu'on... J'ai l'impression qu'il y a un truc qui bouge. Mais... je crois qu'on est allé dedans, mais on n'a pas fouillé. Alors, je suis en train de me demander, est-ce qu'il fait pas extrêmement froid et il faut que les peaux, elles sèchent. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on chasse le cerf maintenant ou on attend un peu et on va d'abord se balader? Est-ce que le cerf, en fait, la peau du cerf, c'est important pour nos vêtements? Est-ce qu'on a le... On a le pantalon et on a les bottes. C'est un peu comme les lapins, sauf que les lapins, c'est beaucoup plus simple. Évidemment. Donc, il nous faut au moins 2 peaux. Donc, je crois qu'on va essayer de chasser le cerf maintenant. On va peut-être partir sur la glace. Oups. On va peut-être partir sur la glace directement et on peut en direction de la petite île. Vous savez. Où il y a les lapins.
Et à la limite, ce qu'on peut faire, c'est... sur le chemin, on va sûrement croiser des cerfs, parce qu'on en avait vu des machins qui se baladaient. Donc, je me dis, pourquoi pas faire ça, et comme ça, si on en voit un sur le chemin, on se le fait. Après, je vais être honnête, on n'a pas vraiment besoin de la viande. À la limite, c'est vraiment que pour la peau, c'est le plus important. Parce que la viande, bah, avec tous les loups qui traînent, pas de problème. Vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est sûr d'avoir récupérer du gibier, c'est mieux, hein, mais bon. Pas besoin. Donc, ouais. Comme ça, on a juste à prendre la peau. Ça dure 28 minutes pour la ramasser. C'est très simple. Et après, on enchaîne, quoi. Très bien. Ah ah! 1,90 d'eau. Ça, c'est beau, ça. Je vous ai dit qu'on n'a pas besoin d'eau. Donc là, il y a plein de tissus à chaque fois. Je vais pas le prendre. Mais ça, par contre, je le ferai dans mon temps à moi. Et je récupérerai plein de tissus et j'en ferai un bon tas. Comme ça, on n'aura pas besoin de. On n'aura plus de problème pour ça. L'autoroute côtière est un très très bon plan, hein, pour le tissu. Voilà. Alors on n'a toujours pas fait les voitures, ça il faut que je m'en rappelle. Alors on va aller directement. Ouais, il fait un peu brouillard par contre. Pas, j'aime pas trop, mais. Attendez, pourquoi? Ah oui, c'est le poisson. Il y a combien le poisson? Ouais, c'est un poisson de merde. Alors on va le laisser là. Avec de la chance, j'arriverai à le récupérer, j'y penserai. Ah là 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 là! Yes, let's go. On va aller se le faire. On va d'abord fouiller ça, puis après on se fait le machin là. Le machin, le bidule, le truc. C'est bien, c'est précis comme ça. Ah, un truc qu'on peut faire. Alors je crois. Non, je crois pas que ça soit sorti encore. En tout cas, pas au moment où je fais l'épisode. Mais ils disent qu'ils vont améliorer les objets que vous pouvez trouver en bordure d'eau. Vous savez, parce qu'on peut trouver du bois. Putain, il y a un loup. On peut trouver du bois. On peut trouver. On peut trouver des poissons. On peut trouver. Je crois qu'après, on peut trouver un peu des objets un peu aléatoires. Enfin, je pense qu'il y a quand même une. Un type de. Putain, il y en a trois. Ah, merde. Alors, on va te faire partir là-bas si tu peux. Ça serait bien. Avance. Non, non! Sans déconner. Saperlipopette. Voyons. Oh bah vas-y, tant qu'on y est, comme ça on fait tout le monde. Voilà, comme ça on va se faire tout le monde. Il vient vers nous là. Vas-y, ramène-toi. Tu as tué mon ami. Il y a l'autre qui vient aussi, je crois. Okay. Lui, il était un peu relou. Ok, suivant. Tant qu'on y est, hein, tant qu'on y est. Non, ça va, il a eu peur. Lui, il est plus malin que les autres. Aïe, 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 aïe. Pas vraiment la chose que je voulais, mais bon, c'est pas grave. Alors.
On va d'abord faire ça. Comme ça. Ok, cool. Très bien. C'est bon? C'est bon? Plus personne? Ouais, j'avoue. Bon bah du coup, demi-tour. Ah bah oui, c'était pas censé se passer comme ça, hein. Ça je vous l'accorde. Hein. Mais honnêtement, si on arrive à réunir un bon paquet de bois, nickel. Hein. On fait un petit feu qui dure 5 jours, on cuit tout. Là c'est bon, on a plus besoin de... On a vraiment plus besoin de... De viande. Hein. Je crois que c'est ce que je vais faire. Là, ça m'embête parce que l'épisode, il va un peu passer son temps là, dans la cuisson, en fait. Bah, après, je peux le faire... Je peux le faire une autre fois, à la limite. Par contre, je vais juste récupérer du bois et le mettre tout là-bas, quand on y repassera. On va laisser réchauffer. Mais bon, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Alors déjà, on va poser la peau, on va se réchauffer. Quoi d'autre? On va poser la peau, on va se réchauffer. J'ai peut-être même envie de dormir peut-être une heure, le temps de se réchauffer, surtout de qu'on se remette à bloc. Comme ça, je pourrais sprinter, parce que je voudrais sprinter en fait un peu. Il fait un peu froid. C'est moi ou j'ai entendu quelque chose qui mangeait? Non, je fouille pas encore les voitures. Parce que si j'en fais une, il faut que je les fasse toutes. On va pas en faire juste une et après pas faire le reste, parce que sinon je vais oublier. Donc, ou on fait tout ou on fait rien pour le moment. Donc, on le fera après. Alors. Ah, mais c'est vrai que j'avais déjà 2 kilos sur moi. Très bien. On va crafter ça. Pam. Pam. Charbon. Oh, on est déjà quasiment à 5 kilos. Là, c'est chiant. Ça. Il y a le fêtois à récupérer, je l'ai laissé à l'extérieur aussi. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Qu'on se réchauffe un peu plus. Bon, déjà, on a une peau, ça c'est fait. Et c'est bien. On va se réchauffer. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On repasse plus ou moins par le même chemin. Ah, j'ai pas dormi, mais bon, c'est pas grave. J'ai pas posé le pied de biche. Ah, c'est... Oui. Ah, ici, c'est embêtant. Hein. Il y a plein de choses à faire à chaque fois.
Donc, oui, c'est embêtant. Donc, un pied de biche tout neuf. C'est cool. Quand on partira, on le prendra. 39 kilos. Pourquoi 39 Parce que rien. Mais bon. Oui, ça va arriver souvent ici parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup d'objets. Ouh, on a encore un brouillard de ouf. Bon, on fait pas extrêmement froid. Ça, c'est une bonne chose. Très bien. Je vais essayer de récupérer le plus de petits bois possible. Et je pense que après cet épisode-là, ça dépend un peu comment ce qu'on fait, comment ça se passe. Mais bon, je vais pas faire cuire maintenant parce que c'est une perte de temps. Enfin, c'est pas une perte de temps, c'est utile, mais c'est pas vraiment intéressant. Donc, je pense que je ferai une ellipse et j'irai cuire en fait tout ce qu'il y a. En tout cas, on a récupéré le plus difficile, enfin le plus important, c'est la peau, et elle est en train de sécher. Ça, point barre, c'est fini, ça c'est cool. Mais je ne vois rien par contre. On va suivre les corbeaux. Mais il faut que je le fasse, parce que là, on a trop de calories en fait. Au moins une quinzaine de kilos. Donc ça serait complètement con de pas le faire. Ouais, c'est vrai. Bon, du coup, on va plutôt rester sur la route. Parce qu'on voit rien. Rester sur la route. Oh là là! Tout le monde veut combattre. Hein? Tout le monde veut combattre, c'est ça? Incroyable. C'est vrai qu'il fait pas très froid. Ça va être marrant, tiens, quand je vais y aller pour faire cuire, moi. Je vais peut-être enregistrer, juste au cas où. Si jamais il se passe un combat, ouais. Après, normalement, s'il y a un feu, le machin, il s'approche pas. En théorie. En théorie, l'ours, il a peur. Mais bon. C'est dangereux. Ah, est-ce qu'elle est là, la grotte? La mine? Ça aussi, c'est une nouvelle mine. Je vais être honnête, je sais plus du tout où elle mène. Je vais être franc, je me rappelle plus du tout. Mais oh là là. On va y aller. Ah, il y en a des trucs ici, hein, quand même. Ah, c'est pour ça. En fait, ouais, non. Enfin, le village, l'autoroute, c'est bien. C'est bien, mais c'est quand même vachement dangereux quand même. Après, peut-être qu'ils ont augmenté un peu la difficulté, où il y a plus de loups et tout, parce que là, j'avoue que c'est un peu galère. Alors, je sais plus exactement où elle mène, je vais être franc. Je sais plus. Je crois qu'il y a des choses assez intéressantes, mais il faut une aurore boréale. Si je dis pas de bêtises. Parce qu'il y a un... vous allez voir, il y a un ascenseur qui marche avec de l'électricité, du coup. Et il faut donc une aurore boréale.
Je me rappelle ici, il y avait un problème de FPS, je crois. Alors qu'on avançait, ça a lagué à mort. Quand c'était sorti. Et oui, par défaut, c'est extrêmement sombre. Sans lumière, vous voyez strictement rien. Je vois pas pourquoi c'est aussi sombre. Mais... Enfin, à la limite, oui, ça a du sens. Je vais pas dire qu'il faut que il fasse comme en plein jour, mais ouais. C'est surtout, en fait, qu'il y a des lampes partout. C'est surtout ça, en fait. Et du coup, c'est très impressionnant quand quand il y a une aurore boréale. Et c'est une grande grotte, hein. Je me rappelle qu'on l'avait faite, hein. Nous, on l'avait faite. Hein. On avait fait tout le tour. Et c'était plutôt cool. C'était plutôt sympa. Mais bon, c'est faut une aurore boréale. Sinon, il n'y a plus grand chose. Il n'y a pas grand chose. C'est bien ça, hein. C'est bien là qu'il fallait une aurore boréale. Je m'en rappelle plus. Maintenant, j'ai un doute. Je crois, hein. Oui, oui. Après, il y avait un autre endroit, c'était Black Rock, où il y avait du gaz, je me rappelle plus. Je me souviens plus. Ou alors c'était là. Je sais que dans la dernière saison, bah oui, non, c'était Black Rock la dernière zone qu'ils ont rajoutée. Et je crois qu'il y a une zone avec du gaz. Je me rappelle plus trop. Si vous rangez la lampe, elle va l'éteindre tout en marchant. Si vous l'éteignez, elle va devoir s'arrêter pour l'éteindre. Donc pensez à ça, ça fait gagner du temps. Je sais pas si je l'avais déjà dit. Bon, faire gaffe, le loup il doit pas être très loin. J'espère qu'il va nous laisser prendre ça au moins. Il y a aussi une église, je crois, qui est abandonnée, mais elle est assez loin. On pourrait y aller. Honnêtement, ça serait pas mal ici qu'on trouve des... Je crois que c'était le loup, ça. Ça serait pas mal qu'on trouve des papiers là qui nous disent qu'il y a des caches et tout ça. Parce que les caches, en fait, elles vont du coup souvent être, enfin sûrement, être dans des bâtiments et tout ça. Et je connais bien cet endroit, en fait. Donc ça serait vraiment cool de se balader, de fouiller. C'est pas très difficile, vu que... Bah déjà, le temps, il est très clément. De 1. Vous voyez, là, on n'a pas froid. Mais de 2, c'est que... Il y a tellement de bâtiments, en fait, très proches les uns des autres. C'est que bah, si vous avez froid, bah, vous allez dans un bâtiment, vous vous réchauffez, vous ressortez, etc. Donc ça, c'est cool. Ah, le... Ça, c'est peut-être un cadavre de... Une carcasse de cerf, peut-être. Faut qu'on aille le voir. Si ça l'est, il faut qu'on récupère la peau. Alors, on y va. Attendez, on va passer par là. Faire le bâtiment. On va fouiller d'abord ça. Très bien. Il y a beaucoup de bâtiments, bien sûr, avec des lits et tout ça. Donc, du coup, vous êtes tranquille. C'est pour ça que j'ai pas pris le sac de couchage avec moi. Ça, c'est cool. Oh, yes! Non, pas ça, ça. Très bien. Nickel. Très bon.
Je crois que c'est à peu près tout. Ok. Ouais. Oh, ok, il était là. Par contre, il y a un truc là que je veux voir d'abord. Il n'y a pas quelque chose derrière? Alors, ou non, c'est peut-être un autre endroit en fait. Non, je dois me courir, je dois... Ouais, non, je dois me courir d'endroit. Non, c'est... Ouais, non, c'est pas là, c'est l'autre village en fait. Où il y a un établi derrière en fait, le bâtiment, à l'extérieur. Alors... Ouais, c'est bien un cerf, on a un loup là-bas. Non, c'est un cerf. T'es sérieux? T'es monté? Toi, tu me fais chier. Ouais, toi, tu me fais chier. Ouais, lui, c'est... Ne pas faire ça, hein. Ne pas combattre dans des endroits comme ça, en fait, où ça monte, ça descend et tout ça, qui est... Pas quand il y a des obstacles, en fait. Ne faites surtout pas ça. Très dangereux. Très dangereux. Okay. Oh, t'es sérieux, là? Ça m'embête, ça. Ça m'embête, ça, parce que là, on a encore un beau temps. En fait, le temps nous demande de... De faire cuire des trucs. Enfin, y a encore un loup là-bas, quoi. C'est quoi le kill count pour cet épisode, sérieux? Sans déconner. Ouais, on est quoi, là? Au milieu de l'épisode? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que du coup, on pourrait profiter du soleil pour faire un feu. On n'a pas trop le temps, en plus. Hein. Enfin, se décider très vite, en fait. Si j'arrive à t'avoir, on fait un feu à côté de toi. Et ce qu'on va faire, c'est que on va genre prendre la peau, cuire quelques viandes. Enfin, non, ça sert à rien. Non, on va le dépecer. Prendre la viande et aller là-bas. Et faire un feu là-bas. Pourquoi tu fais le chiant là? Pourquoi tu fais le chiant comme ça? Ah, c'est marrant le bruit que ça fait. Okay. Non, en fait, je sais pourquoi je veux faire du feu. C'est parce que on va perdre la lumière.
On va perdre la lumière si on fait pas un feu maintenant. C'est pour ça que je veux faire un feu. Et après on utilisera les torches. Come on, little fire. Come on. Ok, très bien. Ah, 17 minutes. Très bien. On aurait dû peut-être dessiner. Oh, c'est pas grave. J'ai fouillé ça. Hein. C'est là-bas. On va tout poser là-bas. Oh là là. Oh, c'est la merde quand même. Ah, ça m'embête, hein. Ah, ça va être notre épisode, quoi. Genre, la moitié de l'épisode, ça va être ça. Hein. Là, faut en profiter. Faut en profiter, on a fait un feu avec la lumière. Pas besoin de... pas d'allumettes. On a récupéré encore une peau. On a récupéré 7 kilos de viande extra. Il fait pas mauvais. On n'est pas trop fatigué. On a tué quasiment tous les loups de la région. Faut en profiter, quoi. Après, à la limite, ce que j'aurais voulu avoir, c'est un... c'est le sac de couchage, j'avoue. Parce que là, ça veut dire qu'on va pas pouvoir rester trop longtemps non plus. Tout ça risque d'être dangereux. Parce qu'après, on est fatigué. Le plus proche pour dormir, c'est là-bas. Faire durer trop longtemps parce que on sait pas si on aura le temps de tout faire. Arrête de parler, dis-moi des choses intéressantes. Genre, est-ce que toi aussi tu as voulu être vétérinaire par exemple quand t'étais petite? Oh putain, c'est sur les bois, fais chier. Oui, j'avoue que en fait, non, c'est mal mis. Attends. J'ai récupéré du charbon? Comment ça? Attends. Ça. On va surtout prendre le cerf. Hein. La viande de gibier, pas la viande de loup. Pas si on peut. Surtout. Tout le reste sera extra. Ok, nickel. trente minutes. On va d'abord faire un tri dans les torches, j'en ai trop, ça pèse lourd. Faut pas qu'on se fasse choper par le l'ours aussi qui se balade. C'est sans déconner, il y a un loup qui arrive. C'était sérieux. Hein. Non mais oh.
Bon bah. Sans déconner quoi, c'est fou ça. Je vais bien le tuer. C'est un loup, c'est un puma le machin. Il est tellement bas dans, au sol. Ah tiens, oui, c'est quoi les qui vont rajouter? Les cougars? Je crois que c'est ça. Je crois que c'est les cougars. Ah bah tiens, les crafts. Vous vous rappelez, on parlait de craft la dernière fois. Nouveaux vêtements et tout ça. Peut-être qu'il y aura des vêtements en cougar, ce qui serait logique. Eh gros, je vais pas te chasser jusqu'à la fin du monde. Vas-y, ramène-toi. Eh oh! Mais t'es sérieux là? Bon bah, va te faire... Hein. Ah non, non, il s'en fout. Je crois que le vent se lève. Ah oui, mais ouais, c'est vrai que j'avais pas pelé vous, j'avais pas pensé sur le coup. Mais oui, peut-être des vêtements avec peau de cougar. Voilà, va falloir aller chasser ça. Mais alors du coup, ça voudrait dire que ça va être super tard. Parce que, à moins qu'ils rajoutent des cougars dans... à l'aéroport, m'étonnerait qu'on en voit. Du coup, donc ça sera sûrement une autre zone qui va arriver sûrement très tard. Et du coup, bah ouais, ce sera pas pour maintenant quoi. Ce loup là. Je vais voir un peu les torches. On va virer ça là. Donc oui, du coup, ce sera ça. J'espère que... Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Genre un pantalon. Ce serait pas mal. It's getting dark out here. I'll look for shelter. On va aller dormir là-bas. Là-bas. Donc, attends, ça. Ça marche. Il y a un truc que je fais, c'est que là je suis en train de dégeler les carcasses. Je crois que ça va les pourrir plus rapidement en fait. Ouais, non, on va aller dormir là-bas. Ouais, c'est le plus rapide, le plus proche, ouais. Ouais, nous on est ici, notre camp il est là, et les maisons elles sont là, donc ouais. Qu'on soit trop fatigué. Ah, 09, on a qu'à le faire. Il est toujours... Non, je sais pas, je vois pas. Pas trop fan hein, de camper comme ça en plein milieu là, parce que là on peut se faire attaquer un peu de tous les côtés. Donc j'avoue de pas être méga fan, mais bon.
Je vais voir un peu. Mais bon. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise nos canettes ou pas? Non. Dans la montagne. 40 minutes, très bien. Alors, on aurait des boyaux à prendre ou alors plus de viande. On va prendre plus de viande. Putain, c'est plus long. Bon, on s'en fout du coup. Ouais. 40 minutes, ça c'est le petit ça. 40 minutes, c'est 49 minutes. Intéressant. C'est en fait, je voulais faire le loup pour manger le loup. Et garder le gibier de côté, parce que c'est celui-là qui donne le plus de calories. Mais au final, on a tellement que ça va. Quoi. On prend les peaux des loups. J'en sais rien si c'est vraiment utile. Le problème, c'est que ça peut devenir utile un jour, en fait. Comme j'ai dit, s'ils rajoutent des nouveaux vêtements avec des vieilles peaux, enfin des peaux d'animaux qu'on a déjà, ce serait vraiment utile, du coup, d'avoir plein. Tout type de peau, vous voyez ce que je veux dire? Bientôt. Sympa hein, cet endroit comme ça. Là on a un truc. Je pense pas que ça soit un loup là devant moi. Si c'est un loup. On a des plumes. Ok, suivant. C'est quoi ça? Ah, c'est la torche. Alors, on va devoir rentrer. Ouais, on va rentrer. On va être trop fatigué, après elle va être très très lente en déplacement, j'ai pas envie. On va laisser le feu mourir. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Ah, il a eu peur du feu. On peut les... Avec tout ce qu'on a, honnêtement, on peut aller dormir et revenir. Je suis sûr que le feu, il est encore allumé, hein. Dans un sens, j'ai envie de le faire.
S'il fait bon, ça passe, hein. S'il n'y a pas de vent, ça passe, hein. Comme ça. Alors. J'ai rien dit. On y va. On rentre. C'est vite fait, hein. On prend vite des décisions, hein, dans le jeu. Très très rapide. Oh la vache, m'a fait peur ce con. Touche pas, hein. C'est pas pour toi. Hein. Enfin, toi, tu bouffes du poisson, tu bouffes pas de la viande. Ça mange de la viande, les ours, ou pas? Genre, j'imagine que s'ils sont vraiment affamés, peut-être, ça peut bouffer de la viande. Mais en théorie, c'est que du poisson, genre du saumon et tout. Et sérieux, il va à mon camp, quoi, c'est ouf. Incroyable. Incroyable. Encore heureux qu'on ait archerie 5, avec un arc tout neuf. Faut qu'on regarde les pourcentages de l'arc, tiens, un peu au passage. On n'a pas de bois, hein. On a zéro bois qui sèche. On est venu avec 10 fûts de flèches, donc on peut refaire nos flèches, c'est pas un problème. Et on en avait une vingtaine, donc ça c'est bien. Mais on n'en a pas extra du coup, parce qu'on a toujours pas de bois. Et on n'a pas... Okay. L'opportunité de faire des flèches. Ah, il y a encore un loup derrière, c'est fou ça. Ah, peut-être qu'on va mettre fin à l'épisode. L'île est là. Peut-être qu'on va mettre fin à l'épisode. Ce que je suis en train de me dire... que là on va se réveiller, je vais revenir à la base. Je sais pas. C'est peut-être pas très intéressant. J'en sais rien. Non, on va revenir au camp. On va revenir au camp. Donc, on a encore du bois sur nous. Ouais, sur tout ça. Donc on a 3 pots, 2, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors, on va dormir. On continue. Alors. Ouais, encore heureux qu'on n'a pas laissé le feu. Ce serait du gaspillage. On attend un peu, le temps que ça se calme, parce qu'on a des ressources. On peut finir ce livre. Comment on l'avait pas commencé? Si, on l'avait commencé. Bon. Vas-y, on va encore attendre 2 heures. Le temps que le froid redescende, en fait. Et du coup, on a lu notre livre. Ouais, ça va. C'est long, hein, c'est très très long. Faudrait que je me force à le farmer, en fait. On peut encore refaire du feu, si on veut. Attendez, on va peut-être passer par là. Pour les plumes. C'est quoi ça là-bas? C'est un cerf encore? Ah, il fait encore un très beau temps.
Ah, j'aurais pu poser les pots, je l'ai pas fait. Bah, c'est pas grave. C'est pas très grave. Ah, il va en avoir des corbeaux, hein. Bon, alors, partout avec nous, hein. Donne-moi ça. Ah, le bordel. Là-bas, il y a la tour. Ça va, il fait pas trop froid. Moins 2, ça va. Très très bien. Ouais, moi ce qu'il nous faudrait, ça serait... parce qu'en fait, on a des meilleurs vêtements en peau. Et après, quand on n'est pas en intrus, en fait, on peut avoir l'équivalent. C'est marrant parce qu'en fait on pourrait finir de cuire tout le reste avec le temps, mais bon. On va pas le faire, on va pas encore... Non, c'est bon, on rentre. On va prendre toute la viande et on rentre. Ok. Marche auto, c'est parti. On peut sprinter un peu. Ouais, comme vêtements, de nouveaux vêtements, moi j'aimerais... Parce que comme je disais, voilà, on a l'équivalent en fait en peau. Et après, si on n'est pas en intrus, on peut trouver des vêtements qui sont mieux en théorie, enfin... En tout cas, pas en chaleur. En chaleur, je crois que c'est, on peut avoir les mêmes choses, genre les manteaux, je parle, par exemple. Mais ils sont moins lourds et ils coupent moins le sprint aussi. Parce que nous, on a genre moins 20% de sprint avec le manteau en ours et tout ça. Mais des manteaux, en fait, qui sont faits de confection humaine, j'ai envie de dire, ils sont mieux pour ça, en fait. Ils sont mieux parce que les malus sont moins importants. Donc voilà. Par contre, le seul truc qu'on n'a pas vraiment, enfin quoi qu'après on a l'équivalent comme je dis, c'est le pantalon. Ça serait bien un nouveau pantalon, genre mieux, en peau, ce serait sympa, je trouve. Ce sera intéressant. Je sais pas, moi je verrais un nouveau pantalon. Ouais, je sais pas trop. Des nouveaux gants. Après, moi, je serais plus... Et on a le choix, évidemment. Moi, je serais plus dans... Ah oui, le poisson. Dans l'accessoire. Moi, j'aimerais bien l'accessoire, en fait. Genre, est-ce qu'on peut avoir un truc en accessoire? Un truc intéressant. Genre... Je sais pas, moi. Qu'est-ce qu'on a en accessoire? En accessoire, on a des... un sac. On a le cache-oreille. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'un truc bien? On a le gilet pare-balles. Ouais, je sais pas trop. Un plus gros sac. Ouais. Ouais, un plus gros sac. Ça serait bien. Ouais, non, je sais pas. J'ai pas d'idée pour les accessoires, en fait. Mais ouais, j'aimerais bien des trucs qui améliorent, en fait. Mais ouais, non, j'ai pas vraiment d'idée. Et encore, on n'a pas tout récupéré en peau. Voilà, très bien.
Il y a peut-être les boyaux, hein, il faudra aller les chercher, parce que c'est vrai qu'on en a très peu. On en a très peu. Du gibier cru. Hein. Très bien. Et là, on va mettre... Très bien. Pas mal. M'embête cette eau croupie là. Là on en a aussi, mais bon, c'est pas grave. Ok, ok, ok. On va s'arrêter là. C'était un bon épisode, mais bon, comme je vous ai dit, hein, on n'est pas allé très loin. On n'est vraiment pas allé très loin. Parce que, bah oui, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d'animaux partout, il y a des maisons et tout. Donc on y va, mais très très lentement en fait. On fait les choses très très lentement. Mais bon, comme ça. Juste ranger vite fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Il y a des flèches à refaire. On a 5 à faire. Très très plein. Ok, qu'est-ce qu'on a récupéré aussi? Bon, comme d'habitude, j'ai dit qu'on allait manger ça, mais bon, pour le moment, on n'a pas vraiment lieu de le faire. Tant mieux, hein, tant mieux. Ça, c'est bon. Là, on est bon. Ah, le livre, on l'a fini. Le livre, on l'a fini. Bah voilà, bah ça se passe très bien. Lui, il perd des pourcentages parce qu'il est là. Voilà, c'est trop bien. Enfin, de toute façon, on peut pas le... Il perdra des pourcentages peu importe où il est. C'est un peu relou. Très bien. Quoi d'autre? Et eh ben c'est tout. Et eh ben c'est tout. On a tout fait. On a tout fait ce qu'on voulait. Moi je vais dormir une heure. Alors je vais réfléchir. Est-ce que je fais une petite ellipse, genre à fouiller les voitures autour? Est-ce que je fais des trucs comme ça histoire d'aller plus vite? Est-ce que je vais récupérer genre toutes les peaux qui traînent? Je sais pas en fait. Peut-être aller récupérer les boyaux peut-être. Ouais, peut-être aller récupérer tous les boyaux. Je vais dormir une heure et je vais aller récupérer les boyaux de mon côté. Je crois que je vais au moins faire ça. Je vais prendre à manger. Je vais au moins faire ça, parce que les boyaux, ça va vite partir, en fait. Parce qu'on a besoin de pour des fils, pour faire un arc. Si on veut faire des collets, il nous faut plein de boyaux aussi. Et oui, il nous faut plein de boyaux, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Ouais. Donc, ouais. Je vais peut-être aller récupérer tous les boyaux qui traînent. Donc, ouais, on va faire une petite ellipse. À la prochaine, portez-vous bien. Ça se passe bien. Ça se passe bien. On va peut-être virer les massettes aussi. Là, 1 kilo. On va peut-être en garder juste 10 sur nous. Voilà, très bien. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.